C'est coloré, c'est autre chose, un voyage. Là, la Noailles, là, c'est beau, regardez. C'est un quartier historique, Noailles. C'est assez vieux, c'est un des plus vieux quartiers de Marseille. Hein. Il a toujours été commerçant comme ça. Vous voulez de la viande, il y a de la viande. Vous voulez du poisson, il y a du poisson. Vous voulez des épices, il y a des épices. Vous voulez boire le café chez Anou, il y a du café. Voilà, il y a tout. Ben, je vais spécialement pour le marché parce que je trouve qu'il y a un grand choix de fruits et légumes et à un prix très avantageux par rapport aux légumiers du quartier. Et puis il y a beaucoup de commerces, non seulement alimentaires, mais... la vaisselle, etc., etc. C'est Noël, c'est Marseille, on dit. On vit bien, on travaille là tranquille, on est des commerçants là. Mais il y a des choses qui m'intéressent que je ne trouve pas sur Castellan. Ça me permet de venir ici, de marcher un peu. Tout le monde y trouve sa vie, son origine. Je trouve que c'est parfait. Ben, c'est assez cosmopolite. C'est assez cosmopolite, c'est assez vivant. Il y a à peu près toutes les communautés, soit musulmanes, juives, et le reste, hein, tout le monde est là, et on s'entend assez bien. Et c'est un peu oriental là, ah, c'est un peu oriental, mais ça va, c'est familial, c'est familial. Je dis que pour l'équilibre de la ville, tout le monde a besoin de ce quartier.